2024, le 13e jour du mois de juin, Son Excellence M. François Kabulo Moana Kabulo, ministre des Sports et Loisirs, sortant, et Son Excellence M. Didier Boudibou Kouanga, ministre des Sports et Loisirs, entrant, il a été procédé à la remise et reprise subséquemment à l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, portant nomination des vice-premiers ministres, ministre d'État, ministre, ministre délégué et des vice-ministres du gouvernement. Les éléments ayant fait objet de la remise et reprise sont en attache au présent. En quoi de quoi, le présent procès verbal a été établi et signé à Kinshasa en 3 exemplaires, au jour, mois et an que déçu, pour faire valoir ce que de droit. Monsieur le ministre de Sport en temps, monsieur le ministre de Sport en temps. Merci. Trois copies. Oui. Vous faites rater les images. C'est tout grave. Oui, vous faites rater les images. Réquil, les amis sont derrière. Zoom un peu. Après cette passation du siège, maintenant on va passer au mot. Cette cérémonie de remise des prix pacifique. Donc nous rendons grâce à Dieu, au maître du temps et des circonstances qui nous ont permis de nous retrouver ce matin dans ces bâtiments dédiés au ministère des Sports et Loisirs. Ensuite, je voudrais remercier en toute sincérité et sportivité le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, qui m'a honoré en m'offrant cette opportunité pour diriger le ministère des Sports. Et je voudrais vraiment lui témoigner ma reconnaissance pour la confiance qu'il a placée en moi et pour booster tant soit peu notre sport qui doit continuer parce que le chemin est encore très très long. Donc à cette occasion, vraiment que le président se sente concerné par cette expression de remerciement et de gratitude à son endroit. Je voudrais remercier également le ministre entrant, Didier Boudimbo,
avec qui j'ai partagé des moments agréables, parce qu'on a passé un moment ensemble au gouvernement. Nous avons même réalisé quelques missions de sport avec le ministre, dont les bénéfices viennent de tomber, parce que la Ligue du football français vient de nous accorder l'organisation du trophée des champions. Nous avons bataillé très très dur à Paris avec le ministre Boudiglou et nous avons obtenu cela pour la République démocratique du Congo. Donc c'est merveilleux, c'est une chance extraordinaire. Le ministre a déjà les pieds là-dedans, donc je crois, je n'ai aucune crainte que ce projet sera poursuivi pour le bonheur de tout le monde. Monsieur le ministre, je vous souhaite une bonne entrée à ce ministère turbulent. N'est-ce pas? C'est la passion. N'est-ce pas? Vous connaissez, il y a trop de passionnés, mais je n'ai aucune crainte de la maison et que vous allez certainement vous en sortir. Et je vous souhaite plein succès pour votre mandat. Je suis parti du ministère des Sports, mais je suis né sportif. Donc je reste dans les sports. Cela veut dire que je continuerai à servir toujours le sport congolais sous diverses formes. Et n'hésitez pas, parce qu'on est précédé par une relation très profonde. Donc quand il y a quelque chose dans les deux sens, n'hésitez pas, nous allons nous concerter, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure on peut aider notre sport d'aller en avant. Voilà donc une bonne chance dans cette maison qui est agréable. Beaucoup de relations, beaucoup de sportifs. Sous votre direction, beaucoup de projets, beaucoup d'ambition. Heureusement qu'on a un président sportif, ça c'est déjà bien pour nous. On en a eu l'épreuve, n'est-ce pas, quand on était à Paris, c'est tout le temps, il voulait savoir où on était arrivé. C'est une chance extraordinaire qu'il faut exploiter. Avoir un président sportif qui est coach de bon sport, ça peut nous aider d'aller plus loin. Et aux autres camarades, je vous remercie pour tout l'apport que vous avez pu m'apporter pendant ces laps de temps que je passais au ministère du Sport. J'ai senti votre apport, votre détermination et je voudrais remercier tous les sportifs congolais à divers degrés qui m'ont accompagné. Et avec ensemble, on a bataillé dur pour arriver où nous sommes. Maintenant, le relais est pris par le ministre Didier. Et je vous prie de les soutenir avec la même détermination, avec la même volonté pour permettre à notre sport d'aller le plus loin possible. N'hésitez pas de me contacter quand ça, si vous en avez besoin. Et l'essentiel est que nous bataillons pour l'avenir du sport congolais. C'est l'affaire de tout le monde. Notre sport pour le moment est en train de progresser. Nous devons les soutenir pour qu'il aille le plus loin possible avec le confort de tout le monde. Seul, ce n'est pas possible. On a le soutien, on a besoin du soutien de tout le monde pour permettre à notre sport de progresser. Encore une fois, merci et je suis content d'être remplacé par un ami avec qui on a fait des choses et c'est plus agréable et que mes mains soient ouvertes. Merci beaucoup et bonne chance aux conseillers qui arrivent, n'est-ce pas, aux collaborateurs du ministre Didier, dont on se connaît déjà, c'est pratiquement la famille. Et je souhaite donc bonne chance à ceux qui arrivent. Et je remercie également tous les collaborateurs qui m'ont accompagné, mon cabinet, formé quasiment de tous les sportifs de la maison, des journalistes, des experts sportifs, dans des divers horizons. Qui ont accepté de m'accompagner pour travailler ensemble pour l'intérêt du sport congolais. Je les remercie et je leur exprime toute ma gratitude. Merci beaucoup et je vous souhaite une agréable journée. Merci. On doit essayer de concilier tout ce qui est possible, qui a eu comme problème entre ministère et fédération. Parce que je pense qu'un royaume qui est divisé n'a pas des longs jours. Un royaume, on doit tous s'unir. Le sport, dans le sport, il n'y a pas que le foot, il y a la boxe, il y a le karaté, il y a tout plein de disciplines. Donc il y a plusieurs fédérations. Et je pense que parmi les premières actions que je vais poser, c'est que je vais inviter toutes les fédérations pour pouvoir tenir des discussions avec eux, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et comme le ministre a dit, on aura toujours besoin de votre expérience.
On aura toujours, à chaque fois, quand on est bloqué, on va s'appuyer sur vous. Alors, je prendrai mon téléphone, je donnerai un coup de fil, je passerai voir à la maison pour qu'on puisse voir comment consolider, disons, déjà les acquis, oui, et puis comment améliorer encore ce qu'il y a lieu d'améliorer pour que nous puissions, comment dire, être derrière la vision du chef de l'État. Parce que comme le chef de l'État, c'est le premier sportif de la République démocratique du Congo, pas que, je pourrais dire pour lui dire joyeux anniversaire, monsieur le président de la République, Fatih Béton, pas que sportif dans le sens de parler, il est réellement sportif. Donc c'est le premier sportif, et je pense que ce ministère, on l'a vu comment le président de la République a accompagné son excellence François Kaboulou dans tout ce qu'il avait comme mission, même au conseil des ministres, comment le président intervenait pour que tout se passe bien. Nous n'avons, tous ceux qui vont rester ou tous ceux qui vont venir, nous n'avons pas droit à l'échec. Et je ne veux pas de conflits, je ne veux pas de problèmes, que ce soit avec les fédérations, que ce soit avec tous ceux qui... Il faut que les choses puissent changer pour que nous puissions respecter la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, le sport, on peut penser que le sport, c'est rien, mais le sport, c'est le cœur des Congolais. Le sport, quand il y a match de football, ou même quand on a quand il y a combat de boxe, on voit comment la ville est calme. Tout le monde, en fait, tous les Congolais sont scotchés devant leur télévision. Ce ministère, c'est un ministère de proximité. On va marcher avec le peuple. Et nous devons apporter la joie à la population kinoise et congolaise. Il y a des défis. On devra essayer de se battre avec l'équipe nationale pour pouvoir participer au mondial. Il y a des défis par rapport à la CAN et même par rapport au handball qui va se passer ici. Il y a tout plein de défis qu'on a vus. Il y a des défis par rapport au loisir, parce que je pense que le loisir doit répondre sa place au sein du ministère du Sport. Parce que c'est, pour moi, c'est inconcevable que nous puissions avoir les loisirs qui ne financent pas le sport. Donc il y a tout ça, on va remettre chaque chose à sa place. Et monsieur le ministre et cher grand frère, nous avons été dans le même gouvernement, et j'ai vu votre sympathie, et j'ai vu comment vous avez travaillé, je vous remercie encore. Et je pense que je ferai tout pour, comment dire, pour remplir ma tâche, pour qu'un jour vous soyez si fiers de moi, vous dites, ah, c'est lui qui m'a succédé, a pu continuer dans le chantier que j'ai laissé, a pu faire certaines choses. Je vous remercie, et nous comptons sur le secrétaire général pour que nous puissions, parce que l'administration, c'est même ça à la base. Donc nous comptons sur vous par rapport aux archives, par rapport à votre coopération pour que les choses se passent bien. Et que nous puissions réellement, que le chef d'État puisse être fier de nous. Et que la République congolaise, le Congolais puisse être fier de nous. Donc nous comptons sur vous. Je dis encore merci à Dieu et merci à chacun d'entre vous. Merci. C'est sous une ambiance chaleureuse et conviviale, agrémentée par les tonnes des supporters et animateurs des différentes équipes nationales venues ici au siège administratif du ministère des Sports, que s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises entre leurs excellences le ministre des Sports et Loisirs sortant, François Kaboulou Moana Kaboulou, et le ministre des Sports entrant, maître Didier Boudimbou Poubouanga. Cette cérémonie placée dans une fraternité exceptionnelle entre leurs excellences, qui nous a quelque peu surpris. Thank you.
Derrière le bâton, derrière le bâton, derrière le bâton.